Ça. Hé, hey, attends. Regarde. Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Et c'est le... Je te couvre. Oh. Quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un se changer à Central Park? Alors? C'est comment? Wow. Miles Morales! Félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Va dans le centre-ville pour l'épisode 2 de cet incroyable cadeau! Et c'est qu'une moitié du cadeau! C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé! Oh bien, Spidey! Hey, j'adore tes fringues! Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré, J. Jonah Jameson. Quoi? Pete programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson? Il est mazo? Triste nouvelle, chers auditeurs. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de... bouffonnerie de justicier en costume! Il y a sûrement mieux à écrire. Ah! On m'en a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Cara, et vous écoutez le DaniCast, où je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. C'est le sujet du jour. Oh, on pourrait parler des trailers, des facs lucratives, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par deux Spider-Man. Je m'abonne, le DaniCast, mon nouveau podcast préféré. Je suis arrivé. Pete a prévu tout un tas d'appareils. Miles, tiens-toi prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. Un nounou entraînement? Oh mais ouais, à fond! D'abord, le combat aérien. Pour prendre l'avantage, aucun calcul approprié selon tes conditions. Maintenant, enchaîne avec une attaque en l'air. Maintenant, un de mes préférés, le truc trilatéral. Les hologrammes, c'est le futur! Avec les bonnes pièces, je pourrais les rendre transportables! Merci, Peter Parker.
Attache. Maintenant, on va combiner ces deux mouvements. Je vais relancer le BIOS. Super. Ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Faudra que je regarde quand j'aurai un peu de temps.
faire un tour par Roxen Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ou de l'électricité statique ultra concentrée. Waouh, il faut qu'on lui trouve un nom. Pourquoi pas puissance bioélectrique. Ça sonne bien, non? Ok, c'est pas mal. Faut que je file. Une toile. D'abord la plaza et après je rentre. Oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Salut Mike. Ce défi va te permettre de t'entraîner au lancement. Passe tous les points de contrôle avant la fin du temps. Approche-toi du point de départ pour commencer. Tu vas y arriver. Oh, je suis à fond motivé. C'est parti. Hey, t'as-tu pu t'entraîner au lancement? J'ai entendu parler de ces pigeons. Tu t'en sors comme... Qu'est-ce que j'ai retenu à voir ce balade dans cette ville? C'est une question de style. Moi, j'ai mon empreinte. La terre a son empreinte. Et les trous à son empreinte. Trouve ton style. Laisse-le pousser. Et quand t'en rencontres, tu vas t'en rendre ton propre style. N'essaie pas de me copier. Suis ton instinct. Pete est un pédagogue. Très bon prof. Je commence à fatiguer.
famille, merci infiniment d'avoir parlé de mon podcast autour de vous. Je suis passée de la 136e à la 87e place. Alors, wow, trop bien. Aujourd'hui, je vous parle depuis la longue file d'attente pour passer mon test de citoyenneté. Du coup, je vais répondre à vos questions. Tu viens d'où, Danica ? Je suis née à Fuzhou, en Chine, et j'ai émigré à New York à l'âge de 6 ans. Deuxième question, quel type de micro tu utilises ? Un micro violet ? Je plaisante, bien sûr. Troisième question, pourquoi tu fais ce podcast ? Alors, une fois par semaine, je vais prendre un café avec un ami journaliste devenu lobbyiste. On parle de l'actu, on discute, on n'est pas toujours d'accord, mais le fait de défendre mes opinions m'aide à me préparer. Ça me permet de toujours rester informée tout en ayant un avis extérieur. Je me suis dit, et si tout le monde avait un ami comme ça ? Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur aniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible ? Ma réponse, c'est le Nuform. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au Nuform. Roxxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vandalisé des trucs. Ils cherchaient peut-être quelque chose. Ils ont fait une recherche Nuform. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire à eux ? Jamais nous battre. Sois tout de la part. On est trop nombreux pour toi.
Le truc dans le réacteur? Il n'est pas encore installé. J'ai entendu parler des livraisons. Bizarre. Super bizarre. Au fait, j'ai fait les courses pour ta mère. Mais elle se demande ce que tu fais. Le dîner est bientôt prêt. C'est pas vrai. Ok. J'essaie de faire ça rapido. Merci. C'est à moi! Parler de cargaison de Nuforme. Il faut que je découvre ce qu'ils ont trouvé pour anticiper leur prochaine attaque. Ils suivaient des cargaisons de Nuforme. Mais pourquoi? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Que je rentre. Je suis vraiment impatient d'être au dîner du réveillon. Je me renseignerai sur ce groupe et les cargaisons de Nuforme demain.